On nous dit souvent d'écouter les gens qui sont pas d'accord avec nous. Du coup, on va écouter les arguments d'une militante d'extrême droite pour voir un peu. On sait jamais. Le vivre ensemble, ça ne marche pas. Et donc, ces personnes, il faut qu'elles rentrent chez elles. Quelle personne? Puisque aujourd'hui, c'est impossible de cohabiter ensemble. Ils ne veulent pas vivre avec la population française. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas ou tu ne veux pas? Les gens comme moi, on rentre où? Parce que moi, je suis française. Oui, bonne question. Vous avez sûrement des origines. Oui, mais c'est pas chez moi. Chez moi, c'est la France. Dans ces cas-là, si ça vous pose problème de vivre dans une France qui est fière d'elle-même, fière de son passé, qui affirme son identité, si ça vous dérange pas, dans ces cas-là, pas de problème. Donc si vous êtes non-blanc, vous rentrez chez vous, on sait pas où c'est chez vous, mais en tout cas vous dégagez, et puis sinon vous pouvez rester que si vous êtes d'accord d'être dans un pays où on veut pas trop de vous. On veut pas de vous, là c'est bon. Et vous avez cette exigence aussi pour les Français blancs, eux le Mais les Français, ils sont chez eux. Ah oui, Français égal blanc. Oui. Ah oui, bah d'accord. Oui. Et ben voilà, on a écouté les arguments de quelqu'un pas d'accord avec nous. Ça t'a apporté un truc, toi? Non. Et toi? Non plus.